looking for a cup. This is fucking awesome. Nah. Yo tout le monde, bienvenue sur cette vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui, on se retrouve parce que à la demande d'un abonné, je vais vous montrer comment avoir X-Ray sur votre Minecraft. Donc il y a deux façons de l'avoir. Hein. Donc soit attendez, donc il va avoir avec Worst ou sinon il va avoir X-Ray 1.10.2. Faut juste que je retrouve mon lien. C'est celui-ci justement. Donc soit vous allez prendre ce lien, donc ça va être le lien X-Ray que je vais vous donner, et c'est ça. Donc ou vous allez avoir Worst qui est beaucoup plus spécialisé et que je vous conseille encore plus, hein. Donc vous allez cliquer sur si vous voulez simplement X-Ray, hein. Donc vous allez cliquer sur sur ici normalement vous allez cliquer. Désolé, j'ai bugué. Donc une fois que vous allez si vous choisissez entre X-Ray et Worst, si vous êtes sur X-Ray, vous cliquez sur x-ray-33.jar, ce qui vous amènera ici. Et par la suite, je vais déjà commencer à ouvrir mon Minecraft. Minecraft.exe, et donc vous allez faire passer l'annonce, et là le fichier va se commencer à se télécharger. Vous allez pouvoir fermer la page, enregistrer, et là vous allez attendre qu'il s'ouvre. Donc là vous n'êtes pas censé avoir votre Minecraft ouvert, donc là il est téléchargé. Vous allez faire afficher le dossier et ouvrir, mais bon, moi je le veux sur mon bureau, c'est pour ça. Donc hop, ici, mais putain, je sais qu'il est ouvert, donc vous allez double-cliquer dessus, ou si jamais vous ça marche pas, vous allez faire open avec le clic droit, hein, et vous installez tout d'abord, bah, c'est sûr, vous allez installer le X-Ray sur une version. Donc exemple, moi j'ai ma version 0.10.1, à quoi elle sert, j'ai la version X-Ray 1.9.4. donc vas-y, c'est parti. Hop. Et update. Yes, I've been installed. Ça, là, si je vais vérifier. Ouais. On va fermer et rouvrir le Minecraft. Bien sûr, c'est normal. Et là, vous allez faire Edit Profil. Hop. Et normalement, je dis bien normalement, vous allez avoir X-Ray 1.10.2. Ouais. Voilà. Il est ici. Mais par contre, et là je vais justement le lancer, hein, parce que moi je l'avais déjà, donc c'est pour ça que ça a pas dû marcher, mais vous ça va marcher. Donc je vais lancer mon Minecraft. Bon allez, il va se lancer, je vais vous montrer c'est quoi le X-Ray et comment il fonctionne. Donc c'est parti, hein, moi je vous tire. Bah ouais. Et on va aller dans une de mes games solo. Putain, je déteste quand Minecraft fait ça. Bon, parti solo. Créer un nouveau monde. Bla, bla, bla. Donc, ouais, non, on le veut en survie. Et hop, allez, on le crée, on s'en bat les couilles du reste. Donc, par la suite, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois en jeu, il va falloir aller configurer vos touches, mais ouais. Donc, si vous avez la petite chose en haut à gauche ici, c'est bon. Donc, vous êtes sûr que vous l'avez, qu'il fonctionne. Hein. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez dans Options, Contrôle, et vous descendez tout en bas. Donc, Cafinder, après, vous avez pour activer le Fly. Ça, vous y touchez pas parce que vous risquez de vous faire ban d'un serveur. Ensuite, vous avez le Fulbright, vous avez X-Ray, puis X-Ray Guy, mais bon. Je vais vous montrer. Le F, c'est quoi? Changer l'objet de main. Mais j'ai dit que je voulais G. Putain, non. Donc, moi, mes touches sont déjà configurées, c'est pour ça. Donc, C.
C'est pour trouver les grottes. Hein, donc, mais là, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Ou c'est parce que je viens de le réinstaller. Ça a tout désinstallé ce que j'avais fait. Bon, c'est très possible aussi. Ensuite, vous allez tester le X. Et là, vous voyez, vous voyez tout. Hein. C'est ceci. Et là, vous voyez les sources d'eau, du diamant comme il y a là, après du lapis, d'autres diamants, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, à la suite. Donc là, vous entendez, je peux pas voler tout de suite. Donc moi, vu que j'ai configuré la touche F, je fais F, vous voyez ici, il y a Fly Enable, et là, hein, par magie, je vole. Et là, 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 là. Et dans un serveur, eh bien, vous pouvez pas faire ça, parce que vous allez... Vous pouvez pas fly trop longtemps parce que vous allez vous faire kick parce que et ça va vous dire flying is not enabled on this server et ça va que faire de la merde hein, donc je vous le conseille pas. Donc par la suite vous avez le Fulbright qu'il va falloir que j'aille vous montrer slash game 1 putain hop ouvrir en LAN ouais bon slash game mode. Bon. Donc on voit rien. Fulbright. Pas Fulbright, Fulbright. Et ça nous fait de même avec l'eau. Hein. Donc exemple, je vais aller trouver. Bon, exemple dans Slack. Hop. Ah ouais, mais. C'est pas assez profond. Donc exemple, ici vous voyez pas dans le fond de l'eau. Fulbright, vous voyez. Vous voyez pas. Vous voyez. Donc c'est comme comme un effet de night vision dans le fond, mais à l'infini. Donc et le J, si vous faites ça et vous décidez qu'est-ce que vous voulez voir et qu'est-ce que vous voulez pas voir avec votre X-ray. Et c'est ça. Moi j'ai configuré le J. Mais bon, vous configurez qu'est-ce que vous voulez. Et c'est ça. Et si jamais juste de l'ouvrir ça ne marche pas, vous pouvez essayer avec putain non c'est Windows R App Data Roaming pour Minecraft vous allez dans version hop et vous allez l'ouvrir dans la version que vous voulez hein. Donc vous avez exemple moi j'avais dans le 1.10 bien, hop j'ai glissé dans le 1.10 mais ça c'est si jamais ça marche pas avec ce que je vous ai montré. Ok, donc là on se retrouve pour Worst. Donc là c'est très 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 simple. Vous pouvez regarder la vidéo si jamais vous avez de la difficulté. Vous installez ce dossier. Et bah vous amenez sur la même affaire, sauf qu'ici bah, c'est ça. Vous allez faire passer l'annonce. Et il risque d'avoir des messages comme de quoi votre ordinateur est infecté d'un virus. Et bien ce n'est pas vrai. Donc ça, vous cliquez pas, ok. Tu vois. Ah, ça, tu fais le X, tu vois. Tu fermes ça. Et là, tu l'as. Là, bon. Hop, là, on dit que je l'ai téléchargé. Parce que moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc ça, moi, je peux supprimer. Ensuite. Dans quoi je l'ai mis. Dans quoi je l'avais mis déjà. Vous allez avoir ça. Mais ouais. Worst client. Vous allez l'ouvrir. Vous pouvez toujours cliquer sur le How to install. Mais bon. Mais bon, c'est pas grave parce que moi je vous le montre comment faire. Mais ouais. Mais ouais. Donc là, vous voyez le petit dossier 1.10 Worst. Vous allez glisser sur votre bureau. Donc. Mais c'est long, putain. Bon. Là, vous allez faire Windows R. Vous retournez dans vos AppData, roaming.minecraft. Vous allez dans Version. Et vous le glissez, tout simplement.
Donc moi je le ferai pas vu que j'ai déjà cette version et je veux pas la briser. Hein. Donc comme je vous dis, vous prenez le dossier que vous avez extrait et flouc, vous le glissez. Bon, une fois que c'est fait, vous allez avoir ceci. Je vais vérifier, c'est bel et bien le bon. Hein. Donc hop, vous pouvez supprimer ceci. Donc maintenant que vous avez glissé, désolé, ce dossier dans votre point Minecraft, ce que vous allez faire, c'est donc vous allez atterrir sur, par exemple, la version que vous aviez juste avant. Hein, donc, oh oui, putain, j'ai deux versions worst. Hop, je vais juste l'éditer. Donc, exemple, ok, vous allez arriver là-dessus. Donc, une version normale, hein, 1.10. Vous allez faire edit profil et vous allez monter un peu 1.10.2 X-ray. Non, c'est pas ça. 1.10 worst client. Vous le prenez, vous faites save profile. Donc, moi, j'ai déjà ma version worst client. Vous faites play. Et c'est le meilleur cheat qu'il y a pas. Hein. Donc c'est vous pouvez pas battre ce cheat. Personnellement, moi je trouve il est mieux que Metro et que Nodus. Donc mais là, rendu là, à vous de juger de ceci. Donc vous voyez, il va se lancer avec Worst. Dans le fond, il réinstalle un peu votre Minecraft, si je peux le dire comme ça. Bon, là vous voyez, vous avez tout et tout et tout. Et c'est ça. Donc là, moi, je vais aller le tester dans une partie multijoueur. Par exemple, allez, tiens, Volcraft. Je sais même pas c'est quoi ce serve. Je m'en rappelle même plus. Bon, ok, c'est trop long. On va aller dans notre partie solo. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, c'est comme ça. Donc, pour voir toutes vos cheats, il va falloir que vous fassiez contrôle et vous avez tout ici. Donc, mais vous pouvez aussi bind, vous pouvez aussi les bind. Par exemple, vous voulez bind le block hit, et vous faites la petite flèche et vous allez faire key bind plus. Là, vous allez choisir toggle et c'est ça. Donc, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça. C'est pas ça. Hop. Donc moi, exemple. Exemple, là, moi, mon Jesus, il est activé. Donc, Jesus, c'est vous marchez sur l'eau. Et ouais, je sais, c'est incroyable. Ouais. Ensuite, vous avez le multi-aura, hein, donc pour taper automatiquement un joueur comme un mob. Hein. Donc, moi, j'ai lâché la souris et je tape automatiquement dès qu'il y a un joueur ou un mob. Moi, j'avais bind S, F. Hein. Après, moi, P, j'ai mis player ESP, mais il y a comme des boîtes de couleurs autour des joueurs. Vous en avez plein et le meilleur là-dedans c'est le jetpack. Parce que je vous ai dit dans un serveur, si jamais vous flyez trop souvent, et eh bien bah c'est trop longtemps, vous allez vous faire détecter, ça va vous écrire fly is not enabled on this server. Eh bien, vous avez qu'à activer jetpack avec ceci. Et c'est tant que vous appuyez sur la barre espace, vous volez. Dès que vous la lâchez, vous tombez. Donc moi ce que vous faites c'est appuyer, lâcher, appuyer, lâcher, appuyer, lâcher, appuyer, lâcher. Et vous vous ferez pas détecter. Je m'y connais assez, on peut en parler, bah oui. Et c'est ça. Donc, moi, je vais pas vous expliquer tous les cheats qu'il y a avec ça. Hein, parce que. Ouais, dans des slash game mode 0. Putain, je déteste. Slash game mode 0. Donc, hop, le hide jump. Mais bon, vous prenez des dégâts. Ensuite, il y a le nuker. Donc, nuker, vous brisez automatiquement les blocs. Autour de vous. Bon, c'est assez lent, mais je sais il y a un autre nuker. Hein. Ensuite, LSD, c'est super lent à bouger la souris et tout. Ça sert à rien, mais c'est drôle pareil. Spammer, c'est ultra drôle. C'est, il me semble. Non, ouais, va falloir faire. Ah ouais. Ensuite, vous avez une free cam. Ça, c'est cool. Et c'est ça, il y en a plein. Donc, comme je vous ai dit, je vais pas tous vous les dire parce que, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et vous regarderez la vidéo que le créateur propose. Vous avez aussi un X-ray avec celui-là. Donc, c'est pour ça que je vous conseillais Worst. Parce que vous avez un X-ray avec en plus de toutes les autres choses qui viennent avec. Hein, donc, moi personnellement, je trouve que c'est juste trop bien. Hein.
Worst, comme je vous ai dit, il est très très dur à battre, parce que comme je viens de vous montrer, bon, bien tant pis, eh bien, il a une énorme liste de choses qui vient avec. Donc sinon, moi, je vous